plaisir pour moi d'être là, pour toute la famille aussi, mais ils sauront vous le dire eux-mêmes. Mais pour moi, c'est vraiment un plaisir, d'autant plus que l'an dernier, ici, à pareille date, ou enfin presque, à l'Action de grâce l'an passé, on lançait la toute première levée de fonds qui allait me propulser vers la Thaïlande, où j'ai reçu 300 millions de cellules souches dans le but d'aider toutes sortes de choses, dont ma vision. Et puis là, tout le monde dit, « Cathy, est-ce que tu vois mieux maintenant? » Puis on aurait donc espéré que je vous dise, « Ouais, je conduis maintenant, puis non, c'est pas ça. » Ben, il y avait quand même, il y a toutes sortes de facteurs. Il n'y a pas un organisme qui réagit de la même façon. Et puis, il y a un niveau de pourcentage de réussite quand même. Mais vous savez que c'est pas tout perdu, parce que moi, je pense, parce que vous savez comment ça fonctionne, les cellules souches, ça va vers l'endroit dans le corps humain qui est le plus faible. Puis je pense que mes yeux, bien qu'ils ne voient pas beaucoup, c'est pas ce qu'il y a de plus faible, parce que mes yeux sont comme ça depuis la naissance, donc ils sont dans un état stable. Ils ont toujours été comme ça, puis ils vivent bien ça, eux autres, de ne pas être développés. Ça n'a pas l'air de les déranger trop. Ce qu'il y a de plus faible dans mon corps, c'est ma jambe accidentée. Puis je pense que c'est là que mes petits soldats se sont concentrés, parce que ma jambe, elle va beaucoup mieux. Elle s'infecte plus, elle coule plus, elle va bien. Je pense que c'est là que ça s'est allé, tout ça. Merci. Puis mes yeux, ben quand même, ils sont pas en reste. Ils bougent beaucoup moins, ils s'affolent moins dans leurs orbites. Alors, j'ai un meilleur contrôle de ça, de leur mouvement. Et puis, ben les couleurs, c'est un petit peu mieux. Mais je pense vraiment que c'est ma jambe qui a eu le plus gros. Puis il faut pas oublier une chose, ça progresse sur un an, tout ça. Alors, voyez là, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 4 mois, il en reste 8. Donc, qu'est-ce qui peut se passer en 8 mois? On sait même pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Mais qu'en 8 mois, il y a le temps de s'en passer encore. Alors, ça va bien pour ceux qui se demandent. J'ai eu plein de questions à chaque fois où je vais. On se fait chatouiller, j'aime pas tellement ça, les amis. J'étais un petit peu peureuse, je vous le dis. Bon, c'est dit. Hein? Quand c'est dit, c'est évacué, ça va mieux. Alors, donc, pour ceux qui se posaient la question, ça va bien. Puis on va voir, on a encore 8 mois à observer puis à s'émerveiller devant la chose. Donc,
père. Au ciel de la bénie, pour qu'il lui accorde la grâce, et ne pas
chercher dans sa terre pour pouvoir élever ses enfants. Elle donne son âme et son cœur. Elle sait que son mari comprend. L'artiste qui s'est caché en terre. Une sorte de vigneron, une chambre de bois. Et dans son cœur, c'est une grande comédienne. Une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus. Lui dans son cœur, c'est un grand musicien. Un artiste de talent. Une sorte de vigneron, une chambre de bois. Et dans son cœur, c'est une grande comédienne. Une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus, comme on n'en voit plus. Sonne ton nom. Merci.
Rosalie,
cacher la lune. Simplement pour te la donner. Avec les étoiles une à une. Pour les déposer à tes pieds. À tes pieds. Rosalie. Rosalie, pour les beaux enfants que tu m'as donnés. Notre vie est allée si vite, on n'a pas vu le temps passer. Je veux me lier à ton âme, partir avec toi. Si on...
dit, quand j'avais 15 ans et quand il m'a donné tous ses conseils, qu'un jour je deviendrais son producteur. Jamais j'aurais cru ça. Hein? C'était comme spécial. Puis à ce moment-là, j'avais un rêve, c'était de chanter en duo avec lui, puis je le fais en plus. Donc j'ai un peu contribué à lui faire vivre les siens. Parce que quand j'étais en studio l'année passée, je regardais Paul chanter avec Charles Aznavour, son idole de jeunesse. J'étais pas mal fier de les voir tous les deux ensemble. C'était beau, c'était sur son album de Noël, Noël au Salon, vous avez probablement dû l'entendre. Et puis, parmi ces chansons que j'aimais de Paul, il y avait celle-ci. On l'a jamais faite ensemble. C'est la première fois aujourd'hui. Moi, ça fait, là, regarde, ça fait 35 ans là, que j'ai pas chanté cette chanson-là. On en essaye. S'il y a des petites erreurs, vous allez nous le pardonner? Eh oui! OK. Ça devrait être bon. Essaie de le dire doucement à mes parents. Et quand tu verras essaie de lui expliquer doucement que je ne reviendrai plus jamais. Quand je cours, je m'enfuis, je dois passer la nuit avec mon fusil. D'être pour ma vie, je suis sans amis, sans abri. Je cours, je m'enfuis, je dois passer la nuit avec mon fusil. Que mes jeunes l'humeur dans les yeux, le monsieur est pour moi, tout l'amour qu'elle m'a donné. Dis-lui que je l'aime, que je l'aimerai toujours. Essaie de lui expliquer doucement que je ne reviendrai plus jamais.
2. C'est un album que j'ai fait avec 14. J'avais déjà fait un album avec des duos de gars, avec 11 des plus belles voix country francophone au Québec. J'ai décidé de récidiver cette année en sortant mon Complicité 2, qui est un album que j'ai fait avec 14 des plus belles voix country francophone au Québec, féminines. Féminines avec des filles. J'ai Brigitte Leblanc qui est avec moi, justement, qui est ici aujourd'hui, qui est avec moi sur cet album-là. J'ai Patricia Coron, vous avez vu hier. J'ai ma mère, Julie, j'ai Katia, j'ai Caroline King, la fille de Mary King. J'ai Pierre Belland. J'ai plein de beaux monde avec moi sur cet album-là. S'il y en a qui veulent se le procurer aujourd'hui, il y a juste moi qui l'a, il n'est pas dans aucun magasin. Fait que venez voir tantôt, ça va me faire plaisir. OK, on y va tout de suite avec une chanson, justement, tirée de cet album-là. On poursuit avec une pièce que j'ai faite avec Caroline King. On y va avec Sauve-moi, chanson de Petit Leclerc. Where my name?
au long des rues. Je me sens un peu perdu. Je me demande si l'avenir a eu raison. Et quand je marche au long des rues, je me sens un peu perdu. Je me demande si l'avenir a eu raison. Abonde dans mes pensées.
petite chaumière, matinée main de mon père, Valeu. Par les dures soirées d'hiver, les plus jeunes assis par terre, écoutaient ces histoires et contes de fées. Sous nos chaudes couvertures, on ne demande pas mieux que de l'écouter. Au fond de moi, quand j'y pense, ces moments de mon enfance sont scellés à tout jamais dans mes pensées. Quand j'ai besoin de courage, il m'arrive Oh!
je vais vous en faire une petite dernière pour mon appartissé à moi. Tantôt, je vais revenir avec la famille. N'oubliez pas, s'il y en a qui veulent nous rencontrer, je vais être à la table à 10 avec mon mari, juste ici. Ça va me faire plaisir, vous avez juste venir nous voir. Comment ce serait juste pour nous donner la main, nous dire un beau bonjour, une photo, n'importe quoi. Venez nous voir. Ça va nous faire un grand plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Maintenant, je vais avec la prochaine pièce que je vais faire. J'aimerais la dédier à Natacha. Natacha, c'est une fille... Écoutez, je l'avais vue l'année passée, mais je m'en rappelais plus, puis cette année, elle est venue me voir tantôt. Elle s'est fait tatouer une belle rose bleue. Elle a marqué « Blue Roses » sur son bras. J'ai trouvé ça tellement beau. J'ai trouvé ça une belle attention au bout. Fait que Natacha, tu l'as dédié cette belle chanson-là. J'aimerais la dédier aussi à la maman Brigitte. Brigitte Leblanc, qui est avec sa maman des Îles-de-la-Madeleine. Je la dédie à ta maman, elle est juste là, c'est la maman Brigitte. Oui. On vous dédie ça, good. Puis je la dédie aussi à ma tante Fernande, Corade. Je veux pas l'oublier, là, mon Dieu. En tout cas, t'as toute la petite gang qui est là, la famille, là. Fait qu'on y va avec la dernière pièce, on poursuit avec Blue Roses. We'll be right back.
Nous avoir suivis pendant 48 ans. Merci. On vous remercie finalement parce que vous étiez là pendant 48 ans. Moi, j'ai rencontré une madame hier soir à Beaupré, près de Québec, qui venait se faire coiffer à la même place quand je travaillais au Rocher-Percé. J'étais tout jeune, pendant temps là. J'avais à peu près 24 ans. Et puis, elle venait se faire coiffer à la même place que moi. Elle venait là, puis elle venait au pied du cul, puis tout ça. Elle dit, c'était le bon temps. Et écoute, ça fait longtemps de ça, là. Ça fait longtemps, on parle de... Je sais pas combien de temps. En tout cas, on est encore là. On est encore là.